Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre humble serviteur Eric Thor. Je tenais d'abord à vous exprimer ma gratitude et vous dire combien de fois vous m'avez manqué. Voilà, il fallait que je revienne, il fallait que je revienne parce que j'ai une impression un peu prétentieuse. C'est que depuis un moment, depuis que certains acteurs sur YouTube ne sont plus très actifs, on a l'impression que ça dort. Donc, on va faire l'effort de sortir de temps en temps. Cette vidéo-là, elle est dédiée au décryptage de deux titres. D'abord, le tout dernier Safari Obiang, il y a eu les voix. Et le tout dernier Ibawan, rien à prouver. On se prendra juste après le générique. Ciao, ciao, abonnez-vous. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Merci de vous abonner, merci de m'encourager. Parce que, faut dire vrai, quand nous faisons une vidéo, je n'ai pas dit quand je fais personnellement une vidéo, que je ne vois pas assez de likes, assez de réactions, commentaires pour donner vos avis, ou assez de partages, ça me décourage un peu. Pour vous dire vrai, ça me décourage un peu. Donc j'ai vraiment besoin de vous. Et on peut démarrer les décryptages maintenant. Parlons très franchement du tout dernier Safari Lobian, mieux le voir. Bon, avant tout propos, j'aimerais dire ceci. Je ne sais pas si c'est pas un clash en fait. C'est sa dernière altercation, on dira verbale, avec le jeune Ramsès Tikaya, qui a emmené certaines personnes à dire que non, le morceau n'est pas chic, que Safari Lobian, c'est toujours la chorégraphie et les clips, la promotion de ses œuvres qui font sa force. Mais Dieu merci, le jeune Ramsès Tikaya aussi a fait sortir son tout dernier Qui veut, je crois. Et sans vous mentir, ça m'a pas ébloui, ça m'a pas épaté. Bien qu'il soit très talentueux, bien que je respecte cette œuvre-là, je souhaiterais pas qu'on soit dans ce genre de comparaison, dans ce genre de délire-là. Parce que ça ne fait qu'à mettre en mal notre musique ivoirienne. Moi, sans animosité, sans, on va dire, hypocrisie, quand j'ai bien écouté le son, pour quelqu'un qui a fait plus de 6 mois sans chanter, il était juste là à faire des featuring de façon sporadique là. C'est quelque chose à féliciter. Parce que vous savez très bien qu'on est tous unanimes à dire que Safari Le Bien, c'est un ambianceur. En fait, si vous voulez, c'est le petit DJ Arafat. Sinon, il nous a montré, je crois, à 2 ou 3 reprises, qu'il sait faire autre chose, qu'il peut faire autre chose. Mais lui, son combat, c'est pour la survie du coupé décalé. C'est ce qui explique son dernier opus. Il y a eu les voix. Si vous remarquez bien, le morceau est dansant du début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, moi je pense que Safari Le Bien est l'un des rares artistes ivoiriens qui n'a pas une très grosse carrière comme ses devanciers ou les anciennes gloires même de la musique ivoirienne, mais qui met du sérieux dans son travail. Je me rappelle ici, avant que ce morceau-là sorte, avant que ce clip-là ne sorte, qu'il nous disait qu'il dépense pas moins de 10 millions pour un seul morceau. On ne croyait pas. Parce que en fait, la pauvreté fait que. Souvent, quand on nous sort des sommes, on a l'impression que ce sont des sommes vraiment énormes, colossales. Mais en vrai, il a fait un vlog sur son TikTok, je me rappelle, pour vous démontrer effectivement que il dépense souvent même plus de 10 millions pour un morceau. Je vous explique un truc simple. Ce jeune réalisateur-là, je crois, Timou Mindset-là, je ne vous dirai pas qu'il est cher, et même s'il était cher, son travail est très professionnel. Son travail est largement différent de beaucoup de réalisateurs ici en Côte d'Ivoire. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur réalisateur, mais actuellement, pour les derniers clips qui sortent là, franchement, vous avez vu le travail qu'il a abattu dans le pavotage de Suspect 95. Et vous avez bien vu, en plus du morceau de Safari Le Bien, le travail qu'il a abattu encore pour le clip Yeux les voix de Safari Le Bien. Donc, si Safari Le Bien vient nous dire que ce clip-là lui a coûté 5 millions, on ne peut que le croire. Parce que vous n'imaginez même pas le matériel que ce jeune Tino de Mindset déploie pour le tournage de ses clips. On a vu un peu quelques images avec celui de truc Suspect 95. Vous comprenez un peu ce que je sens de vous expliquer. Donc, souvent, au lieu de penser que nos artistes sont en train de nous mentir ou bien nos artistes veulent trop se la péter, il faut mener vos enquêtes. Il faut évaluer vraiment les contours de leurs propos. Un artiste comme Bébé Philippe, vous savez qu'il n'arrache pas à moins d'1 million. Voilà. Maintenant,
Considérons que même il fait son morceau, ça fait le morceau, a fait son morceau à 500 000 au studio. Il y a le mix mastering aussi qu'il doit payer, je ne sais pas à combien. Donc, pour vous dire que moi personnellement, j'ai écouté le morceau de Safari Obiang et je vois pas la faille en fait. Vous me direz peut-être que ce morceau-là n'est pas peut-être à la hauteur de ses autres hits comme Goumoulou, Woyo Woyo, truc, Tien Tien et tout, mais il a bossé. Et puis on me dit qu'on ne sait pas de quoi il parle dans ce morceau, je suis désolé. Bien que le morceau soit dansant, Safaré nous explique que dans ce morceau-là, il parle des détracteurs, des personnes qui attendent à ce que nous tombons ou bien des personnes qui veulent forcément notre décadence. Vous comprenez un peu? Voilà, Safaré dans ce morceau-là, c'est ce qu'il nous explique. Et il nous explique bien de façon chantée et de façon rythmée. Donc arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà, c'est ce qu'on a toujours dit des morceaux de Safaré. Quand les morceaux sortent, on trouve que les morceaux ne sont pas intéressants. Et 1, 2 mois plus tard, tout Abidjan danse le morceau. Voilà, Safaré Obiang. C'est un artiste coupé décalé et lui se bat pour, si tu veux, revenir aux sources du coupé décalé. Voilà, le coupé décalé, c'est une musique pour nous faire danser, pour nous faire oublier nos problèmes, pour nous ambiancer. Donc, s'il vous plaît, au niveau du clip vidéo, les images et les couleurs sont tellement belles et pures. La chorégraphie, la direction artistique a vraiment fait un gros travail. Vous voyez un peu. Le scénario même du clip, franchement, il faut féliciter quand il faut. Voilà, ça fera le bien. Tu as tout mon encouragement. Tu as fait du bon boulot. Et moi, je suis fier de toi. Voilà. Ce morceau-là, vous avez bien vu. En moins de 24 heures, il avait déjà fait les 300 000 vues. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Nous sommes dans le troisième jour, depuis 10 heures. Et nous avons dépassé largement la barre des 400 000 vues. Nous approchons la barre des 500 000 vues. Il faut encourager. Voilà. Le morceau est vraiment bien rythmé. Voilà. Beaucoup, 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 beaucoup chaud. Chose que j'apprécie chez Safaré Obiang. Et puis le clip, on sait que Safaré Obiang est l'un des rares artistes qui met vraiment du palais dans ses clips. Et il a une créativité hors pair qu'il faut respecter et qu'il faut encourager. Voilà. Voilà. Seconde partie dédiée au tout dernier Ibawan, titré Rien à prouver. Un titre dans lequel Ibawan démontre sa suprématie. Ibawan démontre dans son rap pur Bambara que il est le boss du rap game malien, ça c'est pas à discuter parce qu'il a vraiment rien à prouver. Regardez même le clip, je pense bien qu'il a tourné à Dubaï, non c'est pas à Dubaï, en France je me rappelle plus, voilà je me rappelle plus trop, mais il n'a pas fait au Mali, il n'a pas fait dans un pays africain, il a fait ça je crois en France ou à Dubaï, je me rappelle plus. Mais c'est pour dire qu'il met les moyens dans sa musique, bien qu'il se soit réconcilié avec tous les acteurs du rap game truc malien et même de la musique malienne. Il explique qu'il n'a vraiment plus rien à prouver. Il a fait les stades, il a fait les salles. Il ne fait que faire des concerts à travers le monde. Dernièrement, il faisait un double concert au Gabon où il a guichet fermé. C'est un artiste qui est peut-être humble, qui ne fait pas trop la grande gueule, mais qui ne sait faire que la grande gueule dans sa musique. Et c'est ça, le rap. Le rap, c'est du gros trip. C'est la grande gueule. Il faut montrer que je suis fort. Et quand tu montres que tu es fort, il faut que ton travail passe par derrière pour témoigner pour toi, en fait. Et ça, vous avez bien vu, rien à prouver de Ibawan, c'est du balèze. C'est du balèze. Il rappe en français, il rappe en anglais, il rappe en bambara. Et c'est, franchement, pour moi, c'est un artiste qui est complet. Il sait rapper, il sait chanter. Tu mets n'importe quel beat, n'importe quel rythme, Ibawan, tu sors quelque chose de balèze, quelque chose de grandiose. Imaginez un seul instant, un featuring Ibawan, Didi B. Regardez l'étincelle que ça va créer. Regardez l'étincelle que ça va créer. Vous avez bien vu les images. C'est quelque chose de beau. Voilà. C'est vraiment quelque chose de beau. Et puis tu sais qu'il y a un gros travail derrière. Tu sais que c'est l'artiste qui ne calcule pas quand il s'agit de sa carrière. Voilà. Maintenant, il y a des petites choses à critiquer. Les sorties, elles ne sont pas médiatisées. Vous voyez un joli clip comme ça, un gros morceau comme ça qui peine à faire les 200 000 vues en 24 heures, c'est pas normal. Surtout venant de la part d'un artiste comme Ibawan, c'est pas normal. C'est des petites choses à régler. Voilà. Je parlais de repenser la stratégie de communication de l'artiste, mais bon, jusque-là, ça ne suit pas. Dieu merci, il a un grand nom avec lequel il tourne, avec lequel il mange, avec lequel tout va bien. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu pour cela. Sinon, rien à prouver. Je vous invite à aller regarder le clip pour ceux qui n'ont pas encore regardé, qui pensent qu'ils sont en train de parler pour parler. Allez écouter l'artiste, vous allez comprendre la dimension artistique de ce grand rappeur malien là.
qui n'est autre que Kankou Moussa alias Ibawan. Voilà. Donc, bravo les gars. Bravo, 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 bravo les gars. Moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Et surtout, j'ai vraiment apprécié le tout dernier Safari le Bien. Surtout son clip. Son clip est vraiment beau et fabuleux. Et c'est un artiste. De la même manière qu'il a investi sur sa carrière, c'est comme ça que Dieu, dans sa juste bonté et dans sa juste grâce, il lui redonne ça. Parce que d'autres artistes allaient se jouer les avares pour dire que je gagne trop, pas besoin de trop miser dans ma carrière, je m'appelle déjà Safari Le Bien, il faut que j'envoie un clip vite fait là, et puis bon, je fais la promotion du son. Mais en même temps qu'il met beaucoup d'argent dans ses costumes pour ses clips et ses morceaux, il faut dire que aussi, c'est de la même manière aussi, il gagne derrière. Ça, c'est à féliciter. Ça, c'est vraiment, vraiment à féliciter. Donc, maximum de partage et puis donnez vos avis aussi en commentaire.